threes. Avec Christian. Le nouveau coach de Boisfort, le voici. À 38 ans, le Néo-Zélandais Simon Dodd débarque dans le club bruxellois pour 3 ans. Il dirigera l'équipe messieurs, les U18, et le tout avec une casquette de directeur rugby. C'est un défi, un sacré défi. Quand j'ai discuté avec la direction, ils m'ont expliqué leur vision et cela m'a beaucoup plu. Je suis très excité de faire partie du projet. On a discuté beaucoup avec lui, on a échangé, puis on s'est rendu compte que c'était la personne adéquate. C'est une personne qui a beaucoup voyagé, qui a passé plus ou moins 7 ou 8 ans en Irlande à la formation, qui a passé du temps au Canada, et on a trouvé qu'elle correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire au sein du club pour le moment. Le Boisfort Rugby Club s'offre un coach étranger et très expérimenté. Débarqué le 29 juillet en Belgique, le nouveau coach a déjà donné ses premiers entraînements cette semaine. J'étais très impressionné par le niveau, en particulier celui des jeunes. Je pensais que les joueurs de moins de 18 ans allaient faire baisser le niveau, mais pas du tout. Et il y a encore de nombreux joueurs en vacances qui vont nous rejoindre. Il y a encore beaucoup de talent et de potentiel à venir. Comme un nouveau couple, on apprend à se connaître là, à l'heure actuelle. Donc, on regarde comment chaque personnalité interagit. Ça fait une semaine qu'on a repris les entraînements, donc c'est tout nouveau. Il vient de se remettre de son jet lag pour dire à quel point c'est frais. Mais on sent une énergie indéniable chez le personnage. On n'est pas sans savoir aussi son pedigree, d'où il vient, ce qu'il a fait. Donc ça place des attentes derrière. Et pour l'instant, on a quelque chose qui tient la route, qui répond aux attentes. Donc c'est sympathique de voir qu'il y a du répondre. J'espère beaucoup de ce coach. On a un projet à 3 ans. Au minimum, et en tout cas, c'est déjà très très bien passé sur les premiers entraînements. L'arrivée de Simon Dodd donne un nouveau souffle à ce groupe, mais s'inscrit aussi dans une volonté de replacer le BRC au premier plan. Et les ambitions du club sont là, après une 6e place presque inespérée l'an dernier. Je pense l'année prochaine, un Beaufort soudé certainement, revanchard de pas mal de matchs l'année dernière, et dans la vitesse en tout cas, ouais. On a très bien bossé cet été pour, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On a consolidé nos forces. Assez peu de départs et pas mal d'arrivées, donc on se rend compte qu'on est toujours quand même séduisant malgré tout. Donc voilà, top 6 cette année au minimum. L'objectif doit être de remporter le championnat. On verra plus tard comment Boisfort se situe par rapport aux autres équipes, mais l'objectif doit être le titre. Comme on dit, viser la lune pour atterrir dans les étoiles, on doit viser le top, et puis on verra. Boisfort semble donc bien décidé à marquer ce championnat, qui commencera pour eux le 18 septembre.